Et voilà, on se retrouve pour notre petit silence en lit. On a bientôt fini, il nous reste ça à lire hein, de notre texte. Bon, on le lira en deux fois, on lira ça aujourd'hui et ça vendredi. Comme ça, lundi, je vous ramènerai un nouveau livre en allemand que j'ai réussi à commander, qui est sur un château, un mystère d'un château, je crois. Ou j'ai d'autres livres aussi que j'ai commandés, on fera peut-être un sondage de qui veut. Enfin bref, on verra. Voilà. Ou je prendrai celui que je préfère, voilà. Alors, juste. Petit rappel, du coup, là, on était dimanche la dernière fois, Amazon Tag. Je vous lis juste ce qu'on a fait la dernière fois, et puis après, on fait la suite. Amazon Tag, Ging der Wolf auf Pfauenjagd. Du coup, il est allé à la chasse au paon. Bald. Bald, ça veut dire bientôt. Fand einen Pfau, il a trouvé un paon. Der friedlich schlief, qui dormait paisiblement. Und rupfte im le Federn aus et lui a piqué toutes ses plumes. Als sich mit dem Stibitzen Federn geschmückt hatte, quand il s'était décoré de toutes les plumes qu'il avait piquées, bewunderte sich im Spiegel sagte. Du coup, il s'est admiré, bewunderte, dans le miroir et il a dit, und sagte. Oh, wie hübsch ich dieses Mal aussehe. Oh, comme joli, comme je suis beau, comme je me vois beau cette fois, comme je me vois beau cette fois, ça veut dire comme je suis beau. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Il a enfin trouvé la couleur qu'il veut. La réponse, tout de suite. Ah. Dies war aber auch die Meinung. Die Meinung, c'est l'idée, la pensée. C'était aussi la pensée, l'idée. Alors, Wolfdamen, der Gegend. Der Gegend, ça veut dire la région. Wolfdamen, vous arrivez peut-être à trouver ce que c'est les dames loups, les femmes des loups. Voilà. C'était aussi ce que pensaient toutes les femmes loups de la région. Ok. Dies war aber auch die Meinung, alors Wolfdamen, der Gegend. Voilà. Den lieben langen Tag, que pendant toute la journée, schließen, ça veut dire se faufiler, sie ihn herum, ils se faufilent proche de lui, und flüsterten, c'est flou, flüsterten, et ils ont chuchoté, ihm in die Ohren, c'est les oreilles. Du coup, den lieben langen Tag schließen sie ihn herum und flüsterten ihm in die Ohren. Du coup, il s'est faufilé derrière, proche de lui et ils lui ont chuchoté à l'oreille. Oh, wie hübsch du doch bist. Oh, comme tu es joli. Mein lieber Wolf, mon cher loup. Ah, pardon, on s'arrête là aujourd'hui, je crois. Oui, ça sera pour la prochaine fois. Der arme Kunterbaunte Wolf. Le pauvre loup de toutes les couleurs. Kunterbunte. Kunterbunte, ça veut dire de toutes les couleurs. Wolf fand keine Ruhe mehr. Ruhe, c'est le silence. Keine, c'est aucun. Der arme, le pauvre Kunterbunte Wolf. Le pauvre loup de toutes les couleurs. Fand keine Ruhe mehr. Ne trouvez plus de silence. Je regarde juste si Kunterbunte. J'ai un petit doute si c'est bien de toutes les couleurs, mais regardez. Kunterbunte, ça veut dire coloré. Oui, de toutes les couleurs, c'est ça. Voilà, je vous lis juste. Ah, ça, on lira la suite. Hein. Faut peut-être essayer de comprendre la fin déjà. Je sais pas. Bon, je vais vous lire. Dies war aber auch die Meinung aller Wolfdamen der Gegend. Den lieben langen Tag schlichen sie ihn herum und flüsterten ihm in die Ohren. Oh, wie hübsch du doch bist, mein lieber Wolf. Der arme, kunterbunte Wolf fand keine Ruhe mehr. Voilà. Ne trouvez plus de silence. Qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois? On saura ça demain. Mais en attendant, on va savoir ce qui va se passer avec notre histoire de loup.
ou de plutôt de louve. Cette fois-ci qui a disparu. Vous vous rappelez? Je vais vous lire juste ce qui s'est passé la dernière fois. Attendez, je vais juste essayer d'incliner un peu l'ordinateur. Voilà, faire ça bien. C'est pas trop mal, ça va. Ok. Je voulais juste la fin. Du coup, voilà. Vite. Ah non, elle n'a pas disparu pour l'instant, pardon. Vite, allons au vieux donjon. Il n'est peut-être pas trop tard. Tu as raison, courons, approuve Jean. Trois petites silhouettes surgissent du logis seigneurial et traversent la cour à toutes jambes. Non, il n'avait pas disparu, c'est pas ça. C'est que il ne lui donnait plus à manger et du coup, ils avaient peur qu'il soit mort de faim. C'est ça. Elles foncent jusqu'aux ruines de l'ancien château, font irruption dans la chambre de Yeux d'Or. Dieu Tout-Puissant souffle Aliénor. Jean se mord les lèvres. Yvain se prend le front. Voilà. Si finalement elle avait quand même disparu. L'embarras, du coup, chapitre 6. L'embarras du soldat à la pouge. La chambre est vide. La gamelle de Yeux d'Or est renversée. Et le sol est jonché d'ossements. Est-ce qu'elle est décédée? Est-ce qu'elle est morte? On ne sait pas. Je vais vous lire jusque. Je vais vous lire la dernière page. Tiens, je vais vous lire la dernière page du chapitre 6. Voilà. C'est comme ça, vous n'aurez pas grand-chose. Voilà. La gamelle de Yeux d'Or est renversée. Le sol est jonché d'ossements. S'est-elle échappée? S'interroge Yvan. Jean s'approche de la fenêtre. Pas par là, en tout cas. Pas avec sa patte blessée. Pardon. En tout cas, Jean s'approche de la fenêtre. Pas par là, en tout cas. Pas avec sa patte blessée. Elle n'a pas pu aller par la fenêtre. Et elle n'est pas non plus sortie par la porte. Elle était fermée quand on est arrivé, ajoute Aliénor. Alors, c'est à n'y rien comprendre, se disent-ils. Certes, ils sont soulagés de n'avoir pas trouvé de cadavre desséché, mais terriblement inquiets du sort de leur ami. Je vous laisse lire la suite. Où est-ce qu'elle a bien pu passer, cette Yeux d'Or? Je vous laisse lire tout ça. Je lis un peu en même temps que vous, et je vous lirai la dernière page. Voilà, je lis juste la fin du coup. Les enfants se regardent, aucun n'ose aborder le sujet qui les amène. Le soldat fronce ses sourcils et lâche toujours à voix basse. Je vous verrai une autre fois, allez. Chut. C'est à propos de qui vous savez, s'enhardit Aliénor. Le portier se gratte le crâne sous son casque. Il paraît embarrassé. Nous aimerions savoir si elle est de Mandivin. C'est que... S'il vous plaît, soldat Laponge, on veut savoir, insiste d'une voix vibrante les trois amis. Au même moment, flambeau au poing, le capitaine de la garde sort de la cellule ouverte. Dites donc, les genoux, vous voulez une fessée, grogne-t-il? Les enfants s'enfuirent aussitôt. Il n'a pas pu parler, ce soldat. Bon, on verra la suite, du coup, demain. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, de bien vous reposer. D'être à fond pour demain, et voilà. À demain, bonne soirée à tous. Puis courage, la semaine prochaine, il n'y aura que 2 jours d'école, alors...